Salut à tous, aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo sur mon setup. Alors non pas qu'il soit extrêmement hallucinant, mais c'est un setup de base pour démarrer comme ça vos vidéos sur YouTube. C'est progressif, mais vous êtes nombreux à me poser la question. Puis plutôt que de répondre comme ça unitairement à Iggy, quelle a été ma dernière caméra, ou à Mathieu, quelle a été la marque de mes éclairages, voire même à d'autres abonnés qui me demandent des conseils, ben, je réunis tout ça dans une vidéo parce que les vidéos, j'aime bien faire ça. Alors, attention, c'est un setup de base pour commencer, mais l'avantage qu'il a, c'est qu'il vous permettra à la fois de faire des vidéos cut et puis également de faire des lives. Donc normalement, ça vous permettra de vous lancer raisonnablement sur Internet et de pouvoir fidéliser votre audience. En attendant, ben, n'hésite pas à me lâcher un petit pouce. Puis si tu n'es pas abonné, ben, n'hésite pas à me rejoindre. Allez, c'est parti. Allez, on fait un rapide tour du propriétaire. Donc, vous êtes chez moi. Hein, pour l'instant, je suis avec mon téléphone et je suis en train de vous filmer grâce à mon Osmo 2. Donc, ça, c'est un matériel dont on reparlera. L'avantage, c'est de pouvoir en fait se déplacer et de faire des mouvements fluides. Donc, je pense que c'est plutôt intéressant d'utiliser ce genre de matos. Et donc, un rapide tour du proprio avec les éclairages. Hein, donc, c'est des Newver. Newver, je vous rappelle que j'avais fait un appel à participation des abonnés pour ce matos et vous avez été nombreux à m'aider, à me soutenir. Donc voilà, ça c'est vraiment le matos que j'ai réussi à obtenir grâce à votre soutien. Ici on a le fond vert. Alors je mettrai la référence de tout le matos que je présente dans la vidéo juste en dessous en commentaire. C'est un fond vert que j'apprécie particulièrement. Alors il a une particularité, c'est qu'il est assez fragile parce que c'est pas vraiment du tissu, c'est une feutrine. Mais il est très épais, il est très lourd et du coup, il a un rendu qui est beaucoup plus net que les tissus qu'on vous vend. Donc je vous le conseille, attention, il est quand même assez fragile. Bien sûr, on verra ensemble l'installation pour, vous voyez, les petites figurines que je vous montre pendant les lives, hein, parce que ça, c'est très important. Donc ça se fait avec le Canon. Canon, on reviendra également dessus pendant la présentation, que j'utilise principalement lorsque je fais des vidéos qui ne sont pas des lives, parce qu'au niveau qualité, il n'y a rien au-dessus de ça, en tout cas dans mon matériel. Et donc j'utilise un Avoir Media. Voilà, je vais m'installer maintenant ici. Hop, voilà, vous me voyez, hein, donc avec l'Osmo. Je vais pouvoir arrêter la vidéo ici, et puis l'éteindre, parce que ça va lui permettre de se reposer un petit peu. Voilà, alors... Très rapidement, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir les choses qui me paraissent impérieuses et puis après, on verra les goodies, genre ces choses-là, qui peuvent avoir un intérêt en fonction de ce que vous visez au niveau de votre page. Ce que je vais faire déjà, c'est que je vais couper le micro-cravate parce que maintenant, j'utilise un Yeti. Yeti qui est juste devant moi. Alors, je vais enlever ça. Voilà. Alors, le micro-cravate. Et le Yeti. On va commencer par ça. La chose la plus importante, la plus primordiale dans une vidéo, c'est le son. Si vous n'avez pas un bon son, personne ne vous regardera. Vous pouvez avoir une mauvaise image, mais si vous avez un son qui est pourri, vous êtes sûr de perdre votre audience au bout de quelques minutes. Tout simplement parce que, je l'ai déjà dit à beaucoup de personnes qui me demandaient conseils, l'oreille ne s'adapte pas. Votre œil est capable de s'adapter à une image dégueulasse, mais si le son est dégueulasse, il n'y a rien de plus insupportable que ça, et donc votre auditoire va disparaître et vous ne l'aurez pas. Donc premier investissement avant tout, si vous voulez ouvrir une chaîne, c'est le son. Vous prenez la webcam de votre ordinateur, vous prenez la webcam de votre téléphone. Je vous rappelle que Iggy a travaillé très 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 longtemps avec juste son téléphone et ça suffit amplement. Sinon, une webcam comme la C920 est une référence, donc vous pouvez l'utiliser, mais voilà, ne faites pas l'impasse sur le son, c'est ce qui est le plus important. Moi, donc, j'utilise un micro-cravate Boya qui coûte une vingtaine d'euros. Alors, son comportement à l'extérieur est pas top, même si j'avais réussi à faire des choses, je me suis rendu compte que dans des événements comme le championnat de France, il avait vite tendance à saturer. Je pense qu'il faut que je le dompte encore un petit peu. L'avantage qu'il a, c'est qu'il est à la fois passif et actif grâce à un petit système de piles qui est à l'intérieur. Alors, c'est un avantage parce que du coup, il peut se
plugger sur n'importe quel matos, il peut se plugger sur mon appareil photo qui a besoin du coup que le micro soit actif, puis il peut se plugger sur un téléphone qui lui va plutôt avoir besoin d'un micro qui soit passif. Le danger de ce système-là, c'est que s'il n'y a plus de piles, ben vous n'avez plus de son. Il me semble que c'est arrivé à certains pendant des lives. C'est dangereux. Donc c'est vrai que lorsque vous l'utilisez en actif, il faut vous assurer de mettre des piles neuves au moment de l'enregistrement. Voilà, moi j'ai acheté un paquet de piles, ça coûte rien du tout. Sinon au niveau du micro, ben, je continue à utiliser le Blue Yeti. Alors le Blue Yeti, il a fait ses preuves. Hein, vous pouvez retrouver ici des exemples de vidéos que j'ai faites avec le Blue Yeti dans des situations qui sont extrêmes. Championnat de France ou WAG Taverne dans les interviews. Je continue à l'utiliser parce que c'est ce qui a la voix la plus chaude, la plus agréable et la plus suave, il faut reconnaître. Et ben, quand je fais des interviews, je veux que les personnes qui soient interviewées puissent avoir le son le meilleur, de meilleure qualité, et puis qu'on entende bien ce qu'ils disent sans qu'ils soient obligés comme ça de se torsionner dans tous les sens. Voilà, le Yeti, c'est ce qu'il y a de mieux, et puis ça fait un peu... Ça fait un peu BFM TV à 8h30 le matin, donc c'est rigolo. Voilà, au niveau du son, on a fait le tour. Vous voyez, il n'y a pas besoin d'un investissement atroce. Commencez par le Boya, ça coûte 20€. Je fais mes lives avec, ça marche super bien. Merci Guy pour le conseil. Et puis ben, le Yeti, par contre, c'est un investissement un petit peu supérieur. Est-ce que vous en avez vraiment besoin pour débuter? Je ne sais pas, ça coûte 120€. Moi, c'est quand même quelque chose que j'ai acheté rapidement. Mais j'aurais pu largement commencer avec le Boya. On va passer au niveau des lumières, parce que ça, c'est la deuxième composante impérieuse d'une bonne installation. Alors au niveau des lumières, vous les avez vues au début de la vidéo, j'utilise des Newer. Donc les Newer, elles sont vendues par 3, en tout cas je conseille de les acheter par 3. Elles ont une particularité, c'est que vous pouvez les mettre soit en batterie, soit en secteur. En secteur, elles tiennent très très bien le coup, qu'elles ont la possibilité de balancer de la lumière blanche ou de la lumière jaune si vous voulez quelque chose d'un petit peu plus chaud. Donc ça, c'est intéressant. La lumière, c'est impérieux. Il faut savoir que au niveau d'une image, un bon éclairage, un éclairage maîtrisé, c'est 90% de votre image. Voilà, sans déconner. Après, derrière, vous pouvez mettre n'importe quelle caméra, que ce soit un Canon, que ce soit une Logitech 4K ou une C920. Ça vous fera la différence des 10%. Alors c'est les 10% qui donnent le frag entre le pro et l'amateur, on est bien d'accord, mais malgré tout, voilà, les lumières, c'est extrêmement important. Surtout si vous vous filmez avec des webcams, puisque les webcams, lorsqu'elles n'ont pas assez de lumière, vont diminuer leur frame, c'est-à-dire qu'elles vont faire moins d'images par seconde, et donc du coup, vous allez laguer et vous allez avoir une image qui va être de plus en plus pâteuse. Donc il faut avoir un éclairage qui soit puissant pour soulager la webcam de base, hein, même la webcam de votre ordinateur ou celle de votre téléphone, même si aujourd'hui les caméras des téléphones sont de très très bonne qualité, elles sont bien au-dessus de la C920. Mais voilà, la lumière est très 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 importante, donc Newer. Alors ça c'est 200€, c'est un petit peu cher, moi j'avais eu besoin de votre soutien, je vous remercie tous ceux qui ont participé, mais je dois avouer que depuis, même si ça exige une installation conséquente, je reviendrai plus jamais en arrière, parce que quand je vois ce que j'ai pu vous proposer comme vidéo sans, c'est une catastrophe. On va maintenant parler des caméras. Alors, la caméra qui me filme actuellement, c'est la Logitech 4K Brio. Alors, je la mets là, voilà, ici. Donc ça, c'est ma dernière acquisition. L'intérêt de cette caméra, c'est comme vous pouvez peut-être le voir sur ma trogne, elle a un excellent piqué, elle a un excellent rendu. On voit bien mes vieux poils, ma vieille barbe. Et puis surtout, elle a un champ qui est extrêmement large et je vais m'en servir pour les let's play en live. Et comme elle a un champ large, c'est elle qui va filmer la table depuis le dessus. Ça me semble assez intéressant. Je vais continuer à utiliser également la caméra de mon Mac pour être en tout petit. Salut! Être en tout petit là en bas dans le coin, vous voyez. Donc ça sera très utile puisque la caméra principale, elle sera dédiée à filmer la table et ses détails. Sinon, pour ce qui est de se rapprocher, ben là par contre, je vais utiliser ma C920. Donc la C920, je vous la mets là, voilà, la C920. Donc elle va donner en fait ce rendu-là. C'est un rendu qui
au niveau des éclairages contrôlés est plutôt bon. Et puis ben, l'avantage c'est que voilà, je vais pouvoir la balader sur la table et puis je vais pouvoir la faire aller regarder telle ou telle situation de jeu, genre un frag entre deux figurines. Ben, je vais prendre la C920 puis je vais la porter là-bas. La C920 c'est une caméra que j'ai utilisée dans mes débuts. En fait, je l'ai toujours utilisée jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à cette vidéo-là. C'est la première que je fais avec la 4K. Autant dire que la C920 marche très bien. Tous les lives que vous avez vus auparavant étaient faits avec elle. Et franchement, le rendu est suffisant. Alors, pourquoi j'ai voulu passer à autre chose? Ben, tout simplement parce que j'avais besoin d'un champ large, que j'avais besoin d'une deuxième caméra, une pour m'approcher des situations, puis une pour filmer en large. Et puis, quitte à investir, ben, j'ai investi dans la meilleure caméra qu'il y a actuellement sur le marché. De mon point de vue, si vous voulez avoir des infos sur cette Logitech, je vous conseille la page web, la page YouTube NewTech, sur laquelle je vais souvent me référencer. Je la mettrai en commentaire juste en dessous. Au niveau des réglages de ces webcams, ne faites jamais confiance à l'appareil. Lorsque vous avez la possibilité d'être en condition maîtriser, ce que j'appelle des conditions maîtrisées, c'est que là, moi, j'ai fermé tous les volets et j'utilise mes éclairages fixes. L'avantage, c'est que votre lumière ne va pas varier. Seulement, il faut avoir investi dans des éclairages et vous n'allez peut-être pas forcément le faire tout de suite. La problématique, c'est que si vous utilisez la balance des blancs automatique sur votre webcam, il suffit que le soleil soit masqué par un nuage et puis vous allez avoir une sorte de clipping, c'est-à-dire que vous allez clignoter en fait pendant votre vidéo. J'ai plein de vidéos comme ça où on voit votre drone qui diminue en luminosité puis qui augmente d'un seul coup puis qui rediminue. Moi j'appelle ça le clipping. C'est dû au fait que la webcam gère la balance des blancs et qu'elle essaye en fait de compenser la diminution de lumière. Donc ça, tant que vous pouvez, essayez de le déconnecter puis de le faire manuellement, d'autant plus que ça vous permet d'avoir une gueule à peu près potable et pas avoir la tronche toute rouge ou la tronche totalement surex. Vous choisissez en fait le niveau d'exposition de votre caméra. Ça, c'est toutes les caméras, toutes les webcams le font, même les Logitech de base, même les webcams de base ont ce genre de paramètres. Essayez également de voir au niveau de la luminosité et du contraste que vous pouvez faire, mais ce n'est pas impérieux. Et puis surtout, ce qui est très très important, c'est la mise au point automatique. Dégagez la mise au point automatique de votre webcam. Sinon, vous allez avoir des vrais problèmes de mise au point. C'est-à-dire que dès que vous allez vous approcher avec votre main comme ça pour bouger une figurine, la caméra va s'affoler, elle va commencer à chercher faire focus. Si votre main est légèrement en arrière, elle va chercher à faire la mise au point sur votre main parce qu'elle bouge, votre main bouge, mais c'est pas votre main que vous voulez montrer, c'est votre figurine. Donc, si vous mettez votre main derrière pour la faire bouger, ben, du coup, vous aurez pu la mise au point automatique sur le sujet. Et ça, c'est très important. Même vous avec la caméra principale, mettez la mise au point en fixe parce que vos mains, elles sont en train de bouger, vous êtes en train de parler, vous avez envie de vous exprimer, vous vous libérez parce que vous êtes en plein live. Et donc, du coup, la mise au point cherche à se faire sous vos mimines. Et vos mimines, eh ben, elles sont 20 à 30 cm devant vous. Et donc, du coup, ce n'est pas du tout la même mise au point. Et du coup, là, caméra s'affole et du coup ça fait un système de va-et-vient comme ça et c'est totalement catastrophique. Donc n'oubliez pas, il faut impérieusement contrôler la mise au point et contrôler la balance des blancs. Alors au niveau de des macros que je fais en live, je ne les fais pas avec une webcam parce que c'est pas d'assez bonne qualité. Et là j'utilise en fait mon Canon 750 et j'utilise un studio. En fait, un petit studio portable qu'on trouve sur Amazon. Alors, ces petits studios-là, ça coûte 30 balles. Ça balance une lumière blanche assez diffuse. Et l'avantage que ça a, c'est que c'est ça qui vous donne l'excellent rendu. Alors, pas là, hein, parce que vous voyez, là, c'est une webcam. Et donc, en plus, la Logitech, elle a tendance à tirer sur le bleu. Donc, du coup, là, elle s'affole un petit peu. Mais c'est pour vous montrer à main levée ce que ça donne. Je la mets sur un plateau tournant. Donc, ce matos-là, le plateau tournant, il coûte une cinquantaine d'euros. Le studio photo, il coûte 35 euros. Le studio photo, c'est également quelque chose d'assez important. Quand on est au niveau des figurines, qu'on aime partager sa passion des figurines, je pense que ce qu'on aime faire, c'est prendre des photos.
prendre des photos puis les partager sur le web. Et la plupart du temps, vous devez bien vous rendre compte que si vous prenez juste votre appareil photo ou votre téléphone portable, puis que vous prenez en photo votre figurine, bah c'est dégueulasse, quoi. C'est à chier, c'est pas du tout ce que vous avez dans la main et ça rend pas hommage à votre travail, donc c'est assez frustrant. Pour 30 balles, vous pouvez acheter ce genre de matos qui vous permettent d'avoir un rendu professionnel. Je déconne pas quand je dis ça. Je prends pour exemple Happy Game Factory, chez qui, en fait, lorsque je les ai visités, j'ai découvert ce matériel-là. Toutes les photos de figurines de chez Happy Game Factory, elles sont faites dans un mini studio comme celui-ci. Moi, toutes les macros que je fais, que ce soit en live ou historiquement dans les vidéos de présentation, je les faisais dans un studio comme celui-ci. Ça vous permet d'avoir une lumière qui est diffuse, qui est constante, qui est pleine, qui englobe totalement la figurine. Il n'y a pas d'ombre projetée. Et donc ça, c'est vraiment le secret pour avoir un bon rendu des figurines et apprécier au mieux la figurine. Voilà. Donc si jamais vous voulez faire de la macro, vous n'êtes pas forcément obligé d'avoir un Canon, hein, ça c'est le summum, mais vous pouvez avoir une caméra de première gamme dans laquelle vous allez régler manuellement, hein, toujours le contraste et toutes ces valeurs-là, mais surtout avoir un mini studio d'éclairage, c'est très très important. Après, le plateau tournant, c'est la cerise sur le truc, parce que c'est vrai que quand on présente des vaisseaux Armada, bah, on aime bien qu'ils tournent pour pouvoir parler dessus. Au niveau du partage en live, j'utilise un Naver Media 2. Alors Naver Media 2, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un petit boîtier qui permet de renvoyer sur votre ordinateur une source HDMI. Voilà, vous avez des capteurs HDMI dessus. Et donc, il vous suffit de brancher votre appareil photo, puisque je vous rappelle que sur votre appareil photo, ici, là, vous avez des sorties HDMI sur maintenant quasiment tous les appareils photo. Donc, vous pouvez brancher votre appareil photo, même un bridge qui aurait une sortie HDMI. Vous pouvez le brancher sur cet Naver Media et du coup, il est renvoyé sur OBS Studio. Je ne l'ai pas dit, j'utilise OBS Studio pour faire les lives. Et donc, l'image, elle arrive sur OBS et puis vous pouvez la partager comme je le fais pendant les lives. Donc ça, c'est un outil qui est très intéressant. En plus, l'avantage que ça a pour les gamers, c'est que ça vous permettra de partager en live vos vidéos de votre Xbox ou de votre PlayStation 4. Initialement, c'est pour ça que je l'avais acheté, mais bon, mes vidéos de gamer, elles ne marchent pas vraiment. Voilà, sinon, en fonction de vos besoins, si vous pensez avoir à couvrir des événements, je vous conseille vivement d'acheter un Osmo 2. Donc ça permet de brancher un téléphone portable dessus et c'est un système gyroscopique de DJI. L'avantage, c'est que vous allez vous balader en fait dans les allées de façon extrêmement fluide en fait. Il n'y aura pas de saccade. Donc très simplement, pour comparer, vous regardez les vidéos que je fais où je me balade dans les allées pour l'Open de X-Wing ou pour le championnat de France. Et puis vous allez voir celle de Sartrouville, où je ne l'avais pas, où je me baladais dans les allées. Pour Sartrouville, on a l'impression que c'est la chasse au trésor, avec la caméra qui bouge comme ça, et puis le mec qui se déplace, on a l'impression qu'il court à toute vitesse, alors qu'avec cet Osmo-là, vous êtes totalement stabilisé. Alors ça, c'est la cerise sur le gâteau. Est-ce que c'est vraiment utile pour lancer une page? Je ne pense pas. Tout dépend ce que vous voulez faire. Si vous voulez être proche du terrain, et ça, on y reviendra, mais c'est quelque chose que je vous conseille fortement si vous voulez percer dans cet univers-là. Si vous voulez être proche du terrain, si vous voulez aller couvrir des événements, je pense que l'Osmo, c'est un des derniers petits objets qu'il faudrait essayer d'acquérir pour avoir un maximum de confort au niveau de vos déplacements. Voilà, je conclue. Un bon son, une bonne lumière, ça, c'est deux choses qui sont impérieuses avant de vous jeter dans un achat de caméra de plus en plus puissante et de plus en plus excessive au niveau des prix. Mettez l'accent sur votre son et mettez l'accent sur votre éclairage. Au niveau du montage, j'utilise Adobe Premiere. Il y a d'autres programmes qui servent à faire du montage. Ce n'est pas le sujet ici. Si vous voulez acquérir des connaissances, n'hésitez pas à aller sur Internet. Moi, je suis autodidacte sur tous ces sujets. Et tout ce que j'ai appris, c'est YouTube qui me l'a appris. C'est un outil qui est à la fois extrêmement dangereux, mais également qui est fantastique. Vous pouvez apprendre n'importe quoi sur YouTube.
pouvez apprendre comment faire une balance de son, comment faire une balance d'image, quelle est la meilleure caméra et tout ça. Ne restez pas sur une seule impression, essayez de voir un maximum d'informations sur le matériel que vous avez tendance à vouloir acquérir. Vous voulez acheter une caméra, regardez toutes les vidéos qui sont disponibles sur la caméra, même des vidéos en anglais. Vous voulez acheter de l'éclairage, essayez d'aller dans la comparaison. Je vous conseille le site NewTech que je mets en lien sous la vidéo parce que c'est un site qui m'a beaucoup apporté, qui m'a appris pas mal de choses et puis surtout qui a son franc-parler et qui, si le matériel c'est de la dope, le matériel c'est de la dope, ils n'hésiteront pas à vous le dire. Le seul petit bémol que j'ai, c'est que pour eux, il faut avoir un portefeuille de plusieurs dizaines de milliers d'euros pour ouvrir une page, même s'ils ont fait 2-3 vidéos qui vous permettent de vous lancer dans YouTube. Bon, concrètement, quand même, il faut reconnaître que au global, il y en a pour plus de 1 500 € aujourd'hui autour de Pierre O TV, mais c'est pas de l'argent qui a été sorti comme ça d'un seul coup, je le redis. Il y a énormément de matériel de confort et je pense que si vous voulez avoir quelque chose qui a du rendu, il faut avoir des éclairages à 200 balles, il faut avoir un micro à 20 balles et une webcam et vous êtes tiré d'affaire. N'oubliez pas pendant vos lives de vous mettre en RG45, n'utilisez pas le Wi-Fi, vous aurez quand même une constance de débit qui sera beaucoup plus appréciable et finalement ce qui va vous coûter le plus cher si vous ne l'avez pas déjà, c'est un bon ordinateur et pour moi c'est le prochain achat puisqu'aujourd'hui je travaille avec un gros Mac et je peux pas me déplacer avec et c'est la galère. J'espère que cette vidéo vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair sur un setup, je le rappelle, de débutants sur YouTube. Bien entendu, on peut faire plein de choses avec un simple téléphone. Et en fait, le principal moteur de votre page, ça restera l'imagination, d'avoir un discours qui est cohérent. N'essayez pas d'abuser des gens. Vous dites la vérité, vous dites ce que vous pensez. Si vous aimez pas, vous aimez pas. Si vous aimez, vous aimez. Ne soyez pas dans le travestissement. Il suffit tout simplement de dire ce que vous pensez. De toute façon, si vous mentez, les gens s'en rendront vite compte, se rendront vite compte que vous n'êtes pas naturel dans vos propos et puis ils ne seront pas fidèles. Allez, en attendant, il me reste à vous souhaiter de bons jeux et puis surtout de bons jets parce qu'il n'y a que ça pour défoncer le type d'en face. Et puis à vous donner rendez-vous dans un prochain live et très bientôt dans des super let's play avec tout ce matos autour de moi pour vous donner un maximum de points de vue et pour pouvoir vous donner un maximum d'immersion. Je vous dis à très bientôt. Ciao !